Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Unity, comment créer un RPG 2D dans Unity. Donc après cette longue absence due à plusieurs facteurs, voilà, j'avais pas trop envie de faire de tuto dessus, enfin bref, j'avais d'autres projets aussi. Du coup voilà, nouveau tuto. Et donc aujourd'hui on va voir comment rajouter le fait que quand on clique sur le coffre, quand on interagit avec, cela nous donne un item. Donc n'importe quel item, on va créer une classe générale d'item. Et voilà. Dans le prochain épisode, je pense que l'on va faire de l'optimisation. Parce qu'en fait, là, le truc, c'est que depuis le début de la série, j'ai vraiment codé en mode dégueulasse. Hein, ça veut dire que, globalement, j'ai pas beaucoup réfléchi. J'ai fait un peu au feeling. C'est pas quelque chose à faire. Enfin, ça fait que le code est plutôt dégueulasse. Et c'est pas. Enfin, globalement, c'est pas quelque chose que je fais. Et en fait, c'est surtout pour des raisons de simplicité. Parce que faire directement un code extrêmement optimisé, bah, ça aurait été peut-être un peu plus complexe à comprendre qu'un code un peu dégueulasse. Enfin, surtout que c'est plus utile pour moi vu que. Enfin, bref, c'est. Enfin, en fait, le truc, c'est que j'aurais dû retravailler le code et du coup faire plusieurs épisodes sur un truc et voilà. Et passer beaucoup plus de temps. Donc, donc là, on a toujours le fait que notre personnage se déplace. Et voilà. Il peut ouvrir les coffres, mais il se passe rien. Voilà. Ok, donc. Ce qu'on va faire du coup, c'est que on va ouvrir les scripts et on va faire quelques petites modifications. On va commencer par modifier dans le caractère la façon dont on crée un item. Donc, on va aller dans le caractère. Et on va créer une classe. Donc, une classe qui va nous servir pour absolument tous les items et la monnaie comprise. Donc ça veut dire que la monnaie, on pourra la stocker comme un item. Donc ça veut dire que là, ce qu'on fait, c'est un truc optimisé. Donc, parce que faire un int pour les items, enfin faire un int pour la monnaie, faire un int pour ensuite un autre truc, je sais pas, par exemple. Pour des flèches, puis un int pour un nombre de potions, enfin une potion X, enfin j'en sais rien, puis un autre int, enfin ça va être compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout stocker dans une classe qui va être générale et qu'on va ensuite transformer en fait et qu'on va stocker. Donc, sachant que je vais faire quand même une méthode simple. Vu qu'on va pas faire un inventaire de malade, on va pas utiliser de classe extrêmement complexe, on va vraiment utiliser une classe très simple, très générale. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est donc une public classe qu'on va appeler item. Tac, putain, enculé. Hop. Et donc du coup, cet item, on va lui donner nom, donc en private, parce que le nom nous servira qu'à nous repérer. Puis on va lui donner. On va lui donner un nombre en fait, public int number, voilà, plutôt count, non, number, voilà. Puis du coup,
c'est bon. On va mettre ça en system.serializable. Donc en gros, ça veut dire que cette classe, si on la met dans un script, elle sera visible dans l'éditeur Unity, donc dans l'inspecteur. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va remplacer la monnaie, par exemple, par tout simplement une liste, enfin un inventaire quoi, qu'on va passer d'ailleurs en private. Donc on va mettre private item, donc une array, on va mettre inventory, et là, non, on va juste mettre inventory. Voilà. Ça c'est bon. On va passer ça en. Non, on va pas passer ça en service field. Ah oui, et on va mettre ça en statique. Est-ce que je. Oui, on va mettre ça en statique. Alors, le statique, qu'est-ce qu'un statique? C'est globalement que ça, c'est commun à tout. À tous les objets de la même classe. Donc en gros, en C#, le C# c'est un langage objet, et en fait le statique ça vient casser un peu le langage objet. Donc en gros, ce que ça fait, c'est que ça fait que cette variable est commune à tous les objets. Par exemple, si vous mettez un, je vais faire un paint, hop, si vous mettez une voiture. Hop. On va faire une voiture verte. Voilà, donc ça c'est une voiture. Ça c'est une voiture. Et là, on a une voiture bleue. Et que, je sais pas, par exemple, vous avez un. Allez, on va mettre en public. Un public statique string marque. Voilà. Bah, ce qui va se passer, c'est que si marque égale à. Je vais mettre. On va mettre Unity, hein, pour pas avoir de. Pour pas mettre une marque au pif. Enfin, voilà. Bah, en fait, la marque Unity sera commune. Donc, ça sera Unity. Et ça sera Unity. Et si après je viens modifier, c'est-à-dire que après, putain, mais ta mère. Si après je viens modifier et que là je mets marque égale à Unreal, et ben ça va être modifié et les, enfin voilà, ça va être barré quoi. Et ça aussi, et ça va mettre. Ça met Unreal. Voilà. Partout. Et donc ça permet d'avoir une valeur commune à tous les objets. Voilà. Comme ça, j'ai bien expliqué statique. De toute façon, je ferai un épisode sur les statiques et notamment sur les singletons. Enfin, un jour. Peut-être bientôt. Donc. Ce que donc inventory, voilà, donc ça c'est en statique. Donc là il n'y a plus mon account. Et ce qu'on va créer aussi, c'est un enum, donc public enum. Donc une enum c'est globalement une liste en fait, mais un truc qui permet de faire l'ordre d'une liste. Donc ce qu'on va l'appeler, on va l'appeler item ID. Et là on va mettre money. Money. Et donc on va mettre que c'est l'ID 0. On n'est pas obligé de mettre l'ID 0, mais moi je le fais. Voilà. Hop. Et donc ici, ce qu'on pourra faire, c'est mettre inventory entre parenthèses money. Non pas money. Item ID. Point money.
Et ça, hop, voilà, en int. Ça, c'est un convertisseur. Enfin, entre guillemets, hein, ça s'appelle pas un convertisseur, mais c'est globalement un convertisseur. Ça convertit ça en int. Donc, et pourquoi ça arrive à le faire? Parce que ici, j'ai mis money égale 0. Ça va mettre 0. Voilà. Donc, et dans la fonction start, ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va mettre que inventory est égal à new items. On va mettre 1. Donc ça, c'est bon. Oui, et puis du coup, comme c'est en statique, comme ça en statique et c'est en private, on va mettre un setter. Donc un setter, ça permet de set une value, enfin, de faire qu'une valeur est. Enfin, de mettre à jour une valeur de set une value. Enfin, set, voilà, c'est set en anglais. Putain, j'arrive pas à expliquer. Enfin, bref, public, donc static, void. Donc on va mettre add item. Hop, et on va mettre donc un item ID qu'on va appeler ID. Et un int qui est le nombre d'items que l'on veut ajouter. On va même pas l'appeler number. Ouais, c'est number, ouais. Et donc du coup là on va mettre inventory. ID en int point number plus égal, donc là number la variable locale, l'argument. Voilà, donc là ça permettra de mettre un item dans l'inventaire. Et donc là techniquement ça devrait pas poser de soucis. Je mettais égal à 0 au cas où, mais donc là normalement ça devrait être égal à 0. Okay, c'est égal à rien. Ah oui, parce que ici j'ai pas mis point number. Voilà. Tac. Et ça nous crée une exception. Une 45. Ah bah ouais, ok. Peut-être mettre inventory 0 égale à new item. Peut-être que là ça va nous mettre. Ok, c'est bon, ça marche. Ok, donc là, bon, bien sûr, ça fait rien. Hop. Voilà, donc là, pour l'instant, le script du personnage, du coup, a été amélioré. Et voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, du coup, toucher au script du coffre. Et donc dans le coffre, qu'est-ce qu'on a à rajouter? Ben, on va rajouter tout simplement un content. Ici, je vais réorganiser un peu ça. Donc, non, attends. Ça. On va faire ça. On va mettre ref. Parce que j'aime bien organiser. Inputs. Checkers. Mais bon, ça, j'aime bien le mettre en haut. Bon, c'est vraiment du.
Hop. Render. Voilà. Et donc là, on va rajouter hop, les entre guillemets stats. On va rajouter un service field private item, donc une liste, et on va appeler content. Et donc globalement, ça c'est une liste de ce que contient le coffre. Et ce qui est bien, c'est que la façon dont on l'a fait, donc de créer une classe item, va nous permettre en fait de faire un inventaire plus complexe si on veut après. Plutôt que de faire par exemple, j'ai de la monnaie, un int. Là, ça permet d'être beaucoup plus optimisé. Donc voilà, donc on a un content. Et voilà. Donc globalement, ce qu'on va faire, c'est que on va faire que un système tout simple, c'est que quand on clique, ça vide le coffre. Ça vide le coffre comme ça, genre, ça et ça te donne tout ce qu'il y a dans le coffre, ça te le donne. Donc ça c'est un système qui pourra ensuite être modifié. Donc pour faire ça, on va créer une méthode private void. Donc on va l'appeler empty chest. Et donc cette méthode, c'est simple, on va mettre for each. Donc item in content. On va mettre donc character info. Donc pour chaque item dans le content, on va mettre character.add. Non, c'est pas ça. Ah, mais j'ai peut-être mis en private. Ah non, public. Ah non, c'est. Point add. Tiens. Ah. Oui, voilà, il y avait un S. Point add item. Et donc là, on va mettre item.id. Ah merde, oui, non, j'ai pas encore fait le. Oui, il faut modifier la classe ici. Et il faut mettre un public. Merde, est-ce que je l'ai mis en. Je regarde. Non, bon, je vais juste le mettre en public. Public item.id. ID. Voilà. Donc, du coup, ce serait item.id, virgule, et là le nombre. Donc là, c'est item.number, tout simplement. Et donc, ça va vider le coffre et faire que bah, ça va donner tous les items aux joueurs. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on met item.number est égal à 0. Voilà. Vu qu'on a tout vidé. Et cette méthode, il faut l'appeler. Donc on va l'appeler quand on ouvre le coffre. Donc on va le mettre plutôt ici. Voilà. On va plus le mettre derrière le. On va le mettre ici, voilà. On va d'abord faire tout ce qui est graphique et puis après faire. Ouais non, plutôt faire la logique. Et puis après tout ce qui est graphique. Voilà. Tac, tac. Voilà. Et donc là, malgré le fait que j'ai plutôt bien fait avec une classe et tout, ça reste extrêmement. Enfin, ça reste fait avec le cul, hein, ça faut le savoir. Mais globalement, en fait, le truc c'est que en tuto, tous les tutos pratiquement sont faits avec le cul. Hein, donc, ça faut. Enfin, bref. Je dis pas qu'ils savent pas faire, mais que globalement, en fait, c'est la meilleure méthode pour faire comprendre aux gens. Enfin. Pour travailler un système particulier, bah faut coder un peu de manière pas très optimisée.
Donc voilà. On a ça. Et là, normalement. Ah oui, j'ai pas défini aussi. J'ai pas. J'ai pas fait un truc. C'est que object. Voilà. Simple chest. Voilà. Content. Donc là, on va rajouter un item. Donc on va rappeler money. Voilà. Et là, on va mettre qu'il y a 5 dans le simple. Et ici, on va mettre money. Est égal à. On va mettre 8 dans le gros. Voilà. Je me dis, il y a combien de temps de tuto? 20 minutes, putain, c'est long. J'étais long. Mais bon, parce que vraiment, ça, c'est très rapide normalement. D'ailleurs, c'est cause bordel. Palette, van cleef board. Bon, c'est de la merde. Okay. Donc, normalement, ici, il y en a 5. Hop, ça nous en donne 5. Et ici, il y en a 13. Voilà. Donc, ça fait 8. Donc, ça marche. Et vous voyez bien que si je reviens ici, voilà. Donc voilà, donc pas besoin de faire d'interface pour l'instant, enfin c'est pas besoin, c'est on peut en faire une. Mais le truc c'est que ça sert un peu à rien. Enfin là dans le tuto en tout cas, là je voulais juste vraiment faire la classe d'item afin de vraiment entre guillemets optimiser vraiment bien le script, enfin beaucoup plus qu'il ne l'était avant en tout cas. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à dire votre avis en commentaire. Je sais que globalement, enfin, même si je pense pas que les gens qui savent vraiment coder, vraiment très bien coder, regardent ce tutoriel, mais enfin, du coup, n'hésitez pas à dire si j'ai fait de la merde, même si je, enfin, comme je dis, je ne code pas comme je code moi par exemple. C'est une version très simplifiée et très un peu bordélique du code. Voilà, donc j'espère que cela vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous exprimer que c'est en pouce bleu en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel.